Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 25e épisode, si je dis pas de bêtises. John qui vous dit un petit au revoir, mais on est déjà de retour pour la suite d'un nouvel épisode. Je crois que c'est le 25e épisode, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié mon compte. 24e. Je ne sais plus. Dans l'épisode précédent, on a été voir le discours du roi, notre frère. Et il a tué le garde royal qui nous avait fait avec qui on avait fait une promesse. Je crois que c'était la deuxième ou la troisième. Ça peut être la troisième. Le Major Swift, voilà. Je ne pourrais pas à présent de nommer le Major Swift dirigeant de l'armée royale. Bah malheureusement, il sera jamais dirigeant parce que Logan l'a tué. Du coup, avec les autres membres de la rébellion. On a décidé de quitter la ville. Et là, notre navire s'est fait couler. Et on est en train d'explorer une grotte avec Walter. Ben a disparu. Alors, qu'est-ce que c'est que une cet grotte. Endroit? Je n'en ai aucune idée. Une sorte de temple? Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien pouvoir vénérer ici? Des araignées, il y a plein de toiles. On n'ira pas plus loin par ici. On dirait un pont. C'est le mécanisme pour le monter de l'autre côté. Comme c'est pratique. L'un d'entre nous doit traverser pour l'utiliser. Il doit y avoir un moyen d'aller là-bas. Ouais, bah on va y aller, t'inquiète pas. Reste là, Walter. Sauter. Et voilà, tu devrais pouvoir arriver de l'autre côté en partant d'ici. Ah, il fallait que Walter m'éclaire parce que sinon je pouvais pas sauter. Des fois, c'est. On va avancer un peu plus vite, mais le jeu il nous dit non, non, prends ton temps, prends 2 minutes de plus. Bon, fais bien attention. Cette chose est sans doute très menaçante. Le jeu il nous met un petit stop, hop. Je pense qu'il y a des petits monstres qui vont apparaître, ce sera beaucoup trop simple. Hein. Il y a tout qui tombe, mais Walter il tient toujours sa torche, il bouge pas. Il est fixe. Tiens, il a pas l'air rassuré. Tout. Je peux pas te faire un câlin pour te rassurer. On a déjà vu ça quelque part. Recule. Walter l'érudit va s'en occuper. Avec une inquiétude croissante, il faut bien l'avouer. Esprit lumineux des sables, inhalez le crépuscule agité. Et voilà, que dire de plus? Je m'y connais en charabia. T'as déjà eu l'impression que quelqu'un était en train de jouer avec nous? Oh oui, tout le temps. Soyons reconnaissants et traversons cet endroit aussi vite que possible. Je comprends ce que tu veux dire, John, ouais. Bah bon courage, après moi je vais m'arrêter d'ici une demi-heure à peu près, hein, donc je serai peut-être plus là quand tu reviendras. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir eu ici. C'était très sympa de la part de ta fille aussi la de passer. La lumière en vous va mourir. La lumière que vous apportez va mourir. Tout ce que vous êtes est destiné à périr. C'est pas bon. Les enfants sont ici pour jouer. Jouer, jouer. Qu'est-ce que c'est? Attendez-vous cette poussière.
le soleil ne brillera jamais plus sur vous maintenant. Souillés, cassés comme des jouets. Tout va bien. On va bien. On doit juste continuer, c'est tout. On va tous très bien. Bah ouais, peut-être à tout à l'heure ou à très bientôt, comme tu dis. Et bah, merci encore une fois d'être passé, ça fait vraiment plaisir de rediscuter avec toi. Je te souhaite plein de bonheur, plein de réussite sur ta chaîne Twitch, comme sur ta chaîne YouTube d'ailleurs. Il y en a encore d'autres. Des chauves-souris. Allez Walter, Par contre, le tortureur, ça a l'air d'être un boss. Volta, si tu peux avancer un tout petit peu plus vite, ça m'arrangerait. On approche des 7 millions tranquillement au niveau argent. Alors, je sais pas combien il nous faut d'argent à la fin du jeu, mais 7 millions, c'est plutôt pas mal. J'aime pas trop toutes ces espèces d'anges. Je maudis ce livre et son auteur, qui que ce soit. Les salons. Pourquoi ils n'ont pas dit ce qu'il y avait ici? La réincarnation des ténèbres. Comme si on savait ce que ça veut dire. Un coffre, ça? Il s'arrêtera pas. Ok. Ça ressemble à un coffre, mais ce n'est pas un coffre. De cafard. En tout cas, la grotte, ça donne pas envie de... Attends, je crois qu'on est proche d'une sortie. Je sens un courant d'air froid, toi aussi? Ah, là il court. Je sens de l'air, je cours. On entend encore ce bruit. On dirait presque... Ah. Non, pas la lumière, pas cette maudite lumière. C'est un peu comme si je pouvais invoquer des boules de feu. Allez, fonctionne ton sang. On est entouré par ces choses. Allez, allez, allez. Tout ira bien. Nous venons. C'est là. Nous sommes là pour dévorer votre royaume. Nous ne sommes certainement pas là pour... Nous sommes là pour apporter les ténèbres. C'est ainsi que les enfants leur donnent. Ah Walter, sinon, tu vas bien. Là, je vais dire pourquoi je prends des dégâts, mais... C'est l'un juste devant moi qui me mettait... Bien joué Alter. Beau lancer.
C'est fini. Ce salaud est mort et enterré. Et on va enfin sortir d'ici. Qu'est-ce que Teresa nous a caché ? Je suis désolé. J'ai perdu la tête, je le sais. J'ai jamais aimé les grottes sombres, mais là... C'est comme si mon pire cauchemar était devenu réalité. Mais c'est terminé maintenant. C'est terminé. Et tout ira bien. Teresa nous fait des petites cachotteries. Seul moyen pour descendre. Souhaite. Ah oui. Attends. Attends un peu. Va me falloir un moment pour me préparer à ça. Mais vas-y, toi. Tout va bien en bas. Oui, ça va. Ce n'est pas très loin. Très bien. Alors j'arrive. 3, 2, 1. Walter! C'est vous de laisser nous partir. Vous nous laissez. Mais vous êtes heureux, Smart. On va essayer de trouver Walter. Il s'est fait piéger. Marcher sur les trucs noirs comme ça, ça me rappelle Prince of Persia quand on marchait dans celui de 2008-2006. Mais vous aussi, vous souhaitez le vivre noir. Vous en avez assez de ces longs voyages, de ces lourds fardeaux, des cris implorants et nécessiteux. Vous aussi, vous serez. Ça, c'est la magie est pas trop utile là dans le jeu, hein. C'est vraiment quoi. C'est pas comme si j'utilisais que ça depuis 5 minutes. Lorsque les ténèbres envahissent son âme, il est à nous à présent. Quand dans Prince of Persia de 2008, oui, 2008, il y avait des trucs noirs comme ça au sol et ça nous aspirait. Bon, même si on pouvait pas mourir dans ce Prince of Persia là. Option.
Ouais, messieurs. Vous me laissez tranquille. En soi, je gagne de l'argent, mais... J'ai l'impression que je vais pas aimer. Donnez-nous à manger, donnez-nous à manger. Il y a les ombres de Balverine, il y a... Oh, il y a... Non, en fait c'est moi qui ai invoqué les Balverine. C'est ma magie. Cette terre nous appartient. Les ténèbres vont se répandre jusqu'à envahir le monde entier. Cette chose m'a aveuglé. J'y vois plus rien. Tout va bien, Walter. Je suis là. Il faut qu'on sorte d'ici. Vite! Il est encore là dehors! Ça appartient! Il faut qu'on parte! Tu l'entends aussi, hein? Il est là! Cette terre nous appartient! Je suis partout! Moi, rien du tout! Emmène-moi à la lumière, pitié! Les ténèbres vont envahir le monde entier. Il est encore là dehors! Il faut qu'on parte! Ne t'inquiète pas, Walter. On est là. Tu l'entends aussi, hein? Il est là! Je suis pas fou! On est dehors. On est sorti. Oui. On est en sécurité maintenant. Que vois-tu? Un désert. Ah. Ah. Ah.
Je sens la chaleur et le sable. Je ne sais pas ce que cette chose m'a fait, mais elle semble avoir aspiré toute la lumière qui était en moi. Je ne vois toujours rien. N'abandonne pas. Faites attention. Il y a des marches devant nous. Très bien. Parfait. Je suis pas sûr. Je sais pas si je vais pouvoir aller loin. Il n'y a aucun signe de civilisation. Il me semble apercevoir quelque chose au loin. Ça ressemble à une énorme statue. On est loin ? Cela va nous prendre quelques heures. Arrête, je ne peux pas. Bien sûr que vous le pouvez. Allez! Je suis trop faible. Tu dois me laisser. Écoute-moi, je ne vois rien, je tiens à peine debout. Je ne vais pas que te ralentir, je vais te tuer. Tu dois continuer sans moi. Je t'aide, Walter. À rien. Tu ne peux pas me sauver. Je suis perdu. Il ne faut pas dire ça. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Tu vas m'écouter. Tu dois me laisser ici. Cette chose t'a affaibli, toi aussi. Tu crois que je m'en rends pas compte? Ce que tu as à faire est trop important pour prendre des risques pour un vieux débris comme moi. Écoute, il faut que tu continues sans moi. Je ne vous laisserai pas ici. Tu dois. Je ne peux pas. Walter. Tout va bien. Tout va très bien se passer. Je reviendrai vous chercher. Je vous le promets, avec des renforts. Je vais être fier de toi. Oui, j'en suis sûr. Walter. Je crois que malheureusement, Walter, Walter est plus dans un très bon état. C'est bien, là on peut courir. Où es-tu? Je ne vois rien. Hein? J'ai besoin d'aide. Pitié. J'ai perdu la vue. Tout est sombre et vide. Venez-moi en aide. C'est un petit Walter Santin, non mais oh. À quel point tu es prêt? Bats-toi! Je sais comment manier une épée!
J'aurais fait n'importe quoi pour vous. Maintenant, il hurle dans sa solitude. Il vous maudit sans cesse. Même la mort n'emportera pas son ressentiment. Jouez. Vos forces sont en train de diminuer. Et nous pouvons les sentir. L'ennemi s'est abattu sur ma brigade. Tant et si bien qu'il ne resta plus que deux hommes et moi. Nous nous sommes réfugiés dans une grotte, mais ils ne sont jamais venus nous chercher. Ils ont juste fait sauter l'entrée. Ils nous ont enfermés. On a passé trois jours dans cette grotte, sans lumière ni nourriture. Trois hommes qui attendaient de mourir dans le noir. La lumière a tous lieu une souffrance. Laissez-la s'éteindre. Vous êtes aveugle. Vous êtes déjà aveugle. Il ne reste rien. Vous n'êtes plus là. Vous n'existez plus. Cette terre nous appartient. Il est toujours en vie. L'autre ne doit certainement pas être loin. Un petit somme au soleil, c'est typique de la royauté. Je me faisais du souci pour vous, moi. Walter. Ne vous inquiétez pas, on va le trouver. Ne bougez pas, mon ami. Aider. Le plus jeune s'en sortira bien. Il est sacrément solide. Il faut absolument qu'on s'occupe du plus vieux sans attendre. Tenez bon, Walter. Vous êtes réveillé, voilà qui est parfait. Moi, c'est Kaylin, et vous êtes dans la ville d'Aurora. J'espère que vous avez du temps, j'ai tellement de choses à vous dire. Et Walter, comment va-t-il? Il a beaucoup de chance d'être toujours en vie, et nous connaissons bien le mal dont il souffre. Je pense qu'on devrait pouvoir lui venir en aide. Y a-t-il d'autres amis à moi ici? Je crois avoir vu, dans le désert, un magnifique soldat répondant au nom de Ben Finn. Vous n'êtes pas encore mort. Je vous en prie, venez avec moi. Ne vous inquiétez pas, il est costaud, il ira bien. C'est bon de vous voir. Au moment de quitter le port, quand j'ai vu que Walter et vous n'étiez pas là, j'ai cru que c'était la fin. Mais j'ai pas abandonné. J'ai usé de mes charmes pour envoyer une équipe à votre recherche. Kaylin s'est laissé convaincre très facilement. Eh ben, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt sur YouTube et sur Twitch aussi. YouTube, on se dit à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.